Attention, Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Oui, est-ce que tu as ma compagnie, Daniel Centaure? Ok, je sors juste du pro, ça va, ça passe de mon côté. Hein. Ah bon, d'accord, il a fallu que j'ai dit que je dise que ça passe pour que ça passe plus. Ah, chie trois coups. T'as là, j'ai un peu de mal à te sortir. On voit que là, t'es entre les bâtiments et tout, ça, c'est pas évident. Là. Là, je suis sur les quais de Bassins. Ok, là je te reçois vraiment très très limite. Hein. Attends, bouge pas, je regarde un truc, je reviens de suite. Ok Daniel, peux-tu passer le canal 32-27-325 oui c'est ça, canal 32 en uniforme Sierra Bravo. Attention Daniel. Daniel, si tu m'entends, passe sur le canal 32, le 27-325 en uniforme Sierra Bravo, le canal 32. Attention, Daniel Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Daniel Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Ah. Attention, Daniel Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. 73-51, Dundee 33 de Spitfire. Les 73 Spitfire, justement là, je suis avec Daniel Centaure qui est sur Saint-Médard. Mais là, ce matin, ça le fait pas trop, ça a du mal à passer. Quoi. Bonne journée à toi, Spitfire. Attention, Dundee, n'importe quoi. Attention, Daniel, Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle.
Daniel, si c'est toi que j'entends, passe le canal 32, le 27-325. Canal 32, 27-325, en uniforme Sierra Bravo. Ah, okay, allez, là, je t'entends, allez, là, allez, uniforme. Ouais, passe le canal 32, le 27-325. Ok, voilà, là ça ira mieux là. Ouais, surtout que là j'étais un peu moustaché là de mon côté. Il y avait un QSO sur le canal 20. J'ai eu un OM en même temps qui passait sur le pont d'Aquitaine, Spitfire, à Chi. Donc là voilà, ça ira mieux là. Alors c'est très 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 QRP, puis là j'ai entendu quelqu'un là derrière, je sais pas s'il était en AM ou en BLU. Y a du monde un peu partout là ce matin, là j'ai l'impression là sur les fréquences, là, sur les canaux. Et non, là tu m'arrives vraiment vraiment très très QRP. Hein. Là j'ai une vidéo là qui est en route. Je me suis arrêté là, je suis là pour le moment là, au push arrêté là sur les quais de Bassins. Justement là pour voir un petit peu ça, là je suis juste à côté de l'entreprise de la GT là, qui est à côté de la côte de la GT, Hachi. Ok, puis en plus, compte de malchance, il vient d'y avoir un QRM là qui a balayé la fréquence. Alors déjà, le seul truc que j'ai bien compris, c'est que tu as passé dans la ligne droite où il y a les pins. C'est le seul moment là où je t'ai sorti là à peu près correctement, quoi. Mais bon, c'est vrai que là c'est vraiment, vraiment QRP, hein. Putain la vache. Petite question comme ça, on sait jamais, hein. L'antenne, tu l'as bien mis dehors, dirigée vers le haut, pas dans la voiture, dirigée vers le bas. Hachi trois coups. C'est vrai que j'ai mal à ce matin, c'est pas...
Ok, ouais, j'ai compris là dans les grandes lignes. L'antenne, ouais, tu l'as achetée là chez Christophe, SAV Radio 33, là, qui est à Martinez. Ok, ouais, ça va, là j'ai bien compris. Là. Le lien, bah, de toute façon, il est facile à trouver, donc il n'y a pas de problème. On l'a également sur le forum La Planète Sibi Francophone, donc il n'y a pas de problème. Et oui, c'est une ML145 de chez Président que tu as. Ouais, c'est bien ce que j'ai entendu, ouais. Oui, affirmatif, oui, j'ai eu QSL. Alors, j'essaie par moment de me déplacer un petit peu, de façon à ce que. Parce que là, je vois, j'ai un bâtiment là sur les quais de Bassins. Bon, ça doit passer au-dessus, là, il n'y a pas de problème. Mais bon, on ne sait jamais, je tente le coup quand même. Ok, ouais, bah oui, voilà. La MNC45, c'est vrai qu'elle a une réputation de tout temps à jamais, mais surtout une réputation par rapport au niveau rapport qualité-prix. Voilà, c'est. Mais au bout du compte, ça reste une antenne de base, quoi. C'est voilà. C'est une antenne pas chère. Bon, de bonne taille quand même malgré tout. Mais bon, après côté performance, eh bien, les performances vont avec le prix. C'est con à dire, mais là c'est très vrai. Hein. Et là, tu verras dans la vidéo, c'est vraiment du décortiquage là, que je fais. Et pourtant, on est en BLU. Hein. Donc, voilà, on est en local, mais malgré tout, en BLU en plus. Et c'est vrai que c'est vraiment QRP. Hein. Ouais, affirmatif, hein. C'est vrai qu'elle est quand même malgré tout à faible rendement et ça s'entend. Hein. Parce que je vois là avec les autres antennes que l'autre antenne que tu utilises, tu m'arrives mieux que ça et en plus en AM. Alors que là, c'est vrai que c'est un petit peu radio cacahuète là ce matin. Ah, chie trois coups. Bon, je sais qu'il y a du brouillard là de mon côté en tout cas, mais bon, les ondes ça se court-circuite pas là, entre les gouttelettes. Ah, chie. Non, mais bon, c'est quand même un bon test, malgré tout. C'est pas totalement négatif, bien au contraire. Moi, ça permet de voir ce qu'il en est de cette antenne qui est quand même très connue, malgré tout. Hein. Thank you.
Ok, merci. C'est vrai que là, je suis toujours arrêté là pour le moment, le temps 2. Hachi, ok, les 73-51 retournés de 14 km 3301, Dundee 33 en mobile arrêté pour le moment, là sur les quais de Bassins. Je vais reprendre la route, faire un peu le tour des 40 canaux, là, puisque c'est vrai que moi aussi, là, tout à l'heure, j'étais bien moustaché. Toi, là, ça a été de ton côté, donc ça montre bien qu'il y a de l'activité de ce côté-ci. Comme quoi, les stations qui restent coincées inutilement en BLU, quand dans les moments où la propague n'est pas là, eh ben, c'est complètement inutile, puisque c'est plus du côté des 40 canaux qu'il y a du monde. Les 73 à toi, Daniel. Merci pour ce petit QSO et bonne journée. Bye bye. C'est parlé partout tout à l'heure. Là, il y avait du monde tout à l'heure. Bon, là, comme c'est là, ça doit être entre deux reprises de micro. Je passe à ce moment-là. Et tout à l'heure, on entendra à nouveau du monde. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Ok, me voilà de retour. Voilà, là je sors d'un QSO justement là, avec Daniel Centaure. On était sur le canal 32 en USB, donc en mode longue distance. Voilà, tu vois, là ça, c'était assez difficile en AM. On a basculé en USB, puis voilà quoi. Bon, en plus de ça, il est en train de tester une antenne. Il était rendu sur Martignas par là-bas. Et c'est des endroits où c'est pas vraiment évident pour passer. Ah, ok pour ça, ok pour ça. Putain, mais tu m'arrives bien, là, t'es pas loin, quoi. Là, je viens d'arriver, là, je suis en train d'arriver en haut de la côte de la GT. Ah, ok, mais moi, mon Kéra, c'est. J'arrive à l'entrée de Bordeaux Centre. Voilà, après le pont de l'Aquitaine, hein, voilà, j'ai pris direction Bordeaux Centre. Ok, d'accord, ben voilà, là j'arrive au feu là en haut de la côte de la GT. Alors attends, voilà, et une petite esquive, c'est bon. Ah merde, personne tourne à gauche, à droite, merde, zut, pardon. Bon ben c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça, c'est bon, voilà, je suis au feu. C'est normal, j'ai relâché le micro. Ah, chie trois coups. Voilà, c'est là, je suis reparti là. Ok. Bon ben voilà, je sors du pro. Ce coup-ci, là je sors du pro, hein, je disais donc. Ce coup-ci, là, j'étais à Bassins. Voilà, donc là, je rentre chez moi, là, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, là par là-bas. Quoi. Voilà. Une petite balade avant d'aller dormir. Bon, j'ai comme l'impression que t'es en plein dans les QRM, toi, de ton côté, là. Ça n'a pas l'air évident pour passer, quoi. Bon, ben, si tu m'entends, en cœur ou à peine, je sais pas, bonne journée à toi et à la prochaine.
sommeil. Attention, Barracuda 56 ou La Belette ou Nico pour Dandy 33 qui vous appelle. Ah, c'est encore trop tôt pour vous, ça. Ah, chi. Bon, il est 6h25. Il est 6h25, c'est tout. Il y a déjà la moitié de la matinée de passé, là. Ah, j'ai entendu quelque chose gazouiller dans le lointain. À moins que ce soit toi encore Spitfire, sinon les 73, la station de la part de Dandy 33, rendue à la sortie 26, la rocade rive droite, pour attraper la direction Libourne. C'est là qu'on était tout à l'heure. Voilà ce qu'on entendait alors. Effectivement, on a dû les déranger un peu.
Ouais, mais comment tu vas? Vous voyez l'avantage de la CBI? Voilà. Okay. Ça monte vers la pentille, tu tournes sur ce l'entraide. Point, vers la pelle. Tout simplement l'entraide. Vers le mur qui est derrière toi. Si tu tombes, tu ne peux pas tourner en une fois. C'est là qu'on voit le côté très, très utilitaire de la CBI. Ouais, c'est retour. Okay, je comprends bien. Ça marche. Il y a la lumière, la pelle est allumée. Voilà, il est en train de trier les coques. Donc imaginez si aujourd'hui tous les routiers, camping-car, 4x4, enfin bon bref, tout ce monde-là avait la CBI dans leur camion. Eh bien ça redeviendrait comme avant, c'est-à-dire très convivial à ce niveau-là. Et du coup pour les stations fixes et mobiles, voitures, eh bien le canal 27... Le canal 27 redeviendrait aussi comme avant un canal d'appel. Et pour la FM, il y a aussi y a le 11 aussi, qui était utilisé jusqu'en 1983, moment où les 40 canaux, l'homologation pour les 40 canaux est passée. Autrement dit, la CBI, ce n'est pas qu'un jouet, que du loisir, c'est aussi très très utile. Et comme il n'y a pas besoin de relais ou quoi que ce soit, c'est en liaison directe, donc il peut y avoir une panne d'électricité, on s'en fiche. Puisque là comme là par exemple au mobile, on est sur batterie, donc on s'en fiche. Après, à la maison, il y a toujours une solution en cas de coupure de courant. Il suffit de prendre des batteries, des panneaux solaires achetés là, et centre auto, là, pour les camping-cars, tout comme ça. Et puis voilà, on est complètement autonome. Hein. Alors que ceux qui font l'amalgame avec le téléphone, les relais, ils n'ont aucun moyen de pouvoir continuer à fonctionner en cas de panne d'électricité. Il n'y a pas de groupe électrogène ou quoi que ce soit qui prend le relais, c'est le cas de dire. Il n'y a rien de tout ça. Alors, idem, pour les applications qui se font passer pour de la CBI, voire même mieux que ça pour de la vraie CBI, ce qui n'en est rien d'ailleurs, c'est juste des applications pour du chat vocal, ni plus ni moins. Tout ça, ça transite par Internet, donc par le téléphone, évidemment, donc par les relais. Mais oui, voilà, tout ça se retrouve, bien entendu. Alors, il suffit simplement, comme on l'a vu déjà dans certaines régions, là, en cas d'inondation, paf, plus de téléphone, plus d'électricité, je veux dire, donc plus de téléphone. Et là, ils sont ballots avec leurs applications Internet. Alors que nous, avec notre CBI, on est toujours là. Hein. Et l'entraide, tout ce qui s'ensuit peut se faire. Les associations d'assistance peuvent intervenir dans ces cas-là, peuvent donner la main dans ces cas-là, faire le relais avec les services publics, sans aucun problème. Comme ça se faisait autrefois. Alors si ça se faisait autrefois, ça peut très bien continuer à se faire aujourd'hui. Il suffit de le vouloir, tout simplement. Dans certains pays, ça se fait comme ça. Ça se fait toujours comme ça, d'ailleurs, dans certains pays. Si on prend, par exemple, c'est où déjà, la Guadeloupe. La Guadeloupe, ils ont tout un réseau, justement, qui fonctionne comme ça. Alors, la CBI plus PMR. Voilà, donc, ils font un truc très, très complet, quoi. Au Québec, c'est tout naturellement que ça fonctionne comme ça. Et ils ont en plus des canaux pour écouter la météo. Donc là, c'est vraiment la CBI d'utilité publique. Alors si les autres le font,
Nous, on peut très bien le faire. Voilà, tout simplement. Il suffit de le vouloir, ni plus ni moins. Quelqu'un derrière. Entendu la voiture bip. On est là.